Ma première démarche est de vous présenter le comité d'initiative qui vous a convié à la rencontre de ce matin. Il est composé des personnalités suivantes. Madame Lila Zéphirin, du réseau Femmes NIP, de Madame Ziki, présidente de l'Association des membres du Nord, du professeur Max Attis et de ses représentants de la diaspora qui sont venus à la fois de Boston et de l'Australie. Par ma voix, le comité d'initiative prend plaisir à vous accueillir et à vous souhaiter la bienvenue dans cette enceinte désormais historique, parce qu'avec le recul des temps, elle sera considérée comme le lieu où Haïti, empêtré dans une grave crise qui menaçait les fondements de l'État, a pu dégager une proposition de sortie heureuse de crise, susceptible de gommer les différences et de rassembler tous les enfants de Dessalines, de Christophe et de Pétion autour d'un même projet de développement, un projet et qui va fondre tous les intérêts dans un même creuset pour redonner à Haïti sa place d'antan dans le concert des nations comme la perle des Antilles. En effet, depuis plusieurs mois déjà, comme nous en sommes les témoins, et comme tous les peuples de la région des Caraïbes, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie et de l'Europe en sont les témoins, Haïti, notre pays, se trouve confronté à des troubles politiques d'une telle ampleur et d'une telle férocité, tant verbale que physique, qui font penser aux luttes fratricides qui ont décimé des populations de certains pays en Afrique, l'alma mater. La vie en Haïti est aujourd'hui paralysée. Notre cher pays est secoué par une vague de protestations et de manifestations à travers lesquelles sont dénoncées des irrégularités, des dérives administratives et des défaillances de gouvernance et même exiger la démission du chef de l'État. Les manifestations sont parfois porteuses de légitimes revendications. Malheureusement, elles sont souvent violentes, occasionnant de grands dégâts, saccages de bâtiments institutionnels, de bâtiments industriels et commerciaux, pillages des étalages des petits commerçants et des paysans, érection dans les rues des villes et sur la route nationale de barricades enflammées, causant entre autres la détérioration des chaussées dont la réhabilitation coûte à l'État environ 1 million de dollars par kilomètre.